Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Une Commande Pour. Donc c'est une série que je n'avais pas fait depuis très longtemps et je le sais. D'ailleurs il y avait plusieurs personnes qui l'attendaient, je le savais aussi. Moi aussi d'ailleurs j'avais très envie de faire un épisode, ça fait longtemps que celui-ci, cette idée est là. Mais faute de temps je ne pouvais pas faire cet épisode. Mais aujourd'hui on va le continuer. Enfin, on va continuer plus précisément la série. Alors, je vais pas m'attarder plus que ça. Donc, je rappelle juste le principe de la série au cas où des personnes l'ont oublié ou que de nouvelles personnes soient arrivées sur la chaîne. Donc, d'ailleurs, qu'on a maintenant 900 abonnés, ce qui est plutôt pas mal. Une commande pour, c'est une série qui va permettre de faire quelque chose de cool, d'utile, enfin, en général, les deux à la fois, de cool et d'utile, en seulement une seule commande. Donc ça peut être, là par exemple, ça va être peut-être pas le truc le plus utile du monde, mais c'est quelque chose de fun. C'est parti, donc je le rappelle, on va commencer par la partie théorie. Donc dans la partie théorie, je vais vous expliquer, je le rappelle, précisément la commande qu'on va utiliser, et après dans la partie pratique, on va voir comment mettre en œuvre cette commande pour faire ce que j'avais dit dans le titre de la vidéo. Donc pour la partie théorie, il faut savoir qu'on va utiliser la commande Sprite Player. Donc une commande qui va permettre en fait de, attention, disperser aléatoirement des joueurs ou des entités sur une zone donnée. Donc en gros, c'est pas si compliqué que ça en a l'air. Vous avez une zone, donc par exemple, je sais pas, cette zone colorée ici. Et donc cette zone va dans cette zone, on va pouvoir téléporter tous les joueurs ici, mais pas tous au centre par exemple. Chaque joueur va être téléporté à un endroit différent, ou alors chaque entité. Hein. Donc par exemple, imaginons qu'on ait 4 joueurs sur toute la map. Moi je vais peut-être être téléporté ici, un autre joueur ici, un autre joueur ici, et un dernier joueur ici, par exemple. En gros c'est ça le principe. Par exemple c'est ce qu'on utilise dans Kill the Patrick, je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous connaissez, en fait au départ ils sont tous téléportés aléatoirement sur la map de manière dispersée. En fait c'est la commande Sprite Player qui disperse automatiquement les joueurs sur toute la map. Donc la map c'est la zone. Et après, vous avez donc une zone définie et on va choisir tous les joueurs, on va dire, on les disperse sur cette map. Et bien là, c'est la commande dont on va se servir. Donc la commande Sprite Player. Alors, on va regarder en détail cette commande. Donc, vous voyez déjà qu'il y a les coordonnées X et Z. Donc, je vais afficher un quadrillage à l'écran. Donc sur un fond vert, chaque case correspond à un bloc. Imaginons qu'on veut déterminer une zone, donc ça va être plutôt une zone carrée, hein. Donc voilà, que je représente en rouge ici. Donc les coordonnées X et Z qui sont sur la commande, c'est en fait les coordonnées du centre de cette zone. Donc sur le quadrillage, vous voyez, je l'ai affiché en jaune, c'est les coordonnées de ce centre. Donc on a la coordonnée X et la coordonnée Z. On n'a pas la coordonnée Y, puisque en fait, Minecraft va déterminer lui-même la coordonnée Y en fonction de la hauteur de la surface. Par exemple ici, donc on donne la coordonnée X et la coordonnée Z ici. Donc sur F3, vous voyez, je vise le bloc. Donc les coordonnées X sont moins 1043 et moins 434 pour la coordonnée Z. Et Minecraft va dire la coordonnée Y, c'est la coordonnée 37, puisque c'est elle qui a la surface. Vous voyez, il n'y a rien qui est au-dessus. Donc voilà, c'est pour ça qu'on n'a que la coordonnée X et que la coordonnée Z. Donc je retourne sur mon quadrillage. J'ai une zone avec un centre, mais ça suffit pas à définir une zone. Donc ensuite, on a le Sprite Distance. Alors, imaginons que vous voulez une zone qui soit plutôt en anneau, donc comme ceci. Eh bien, il va falloir à nouveau définir le centre de cette zone, même s'il n'est pas dans la zone, donc toujours en jaune. Et en fait, le Sprite Distance va être un peu le rayon minimum. Donc ici, par exemple, c'est un rayon minimum de 2 en orange, donc vous voyez pourquoi. À partir du centre, on a 2 blocs pour atteindre la zone. Donc le Sprite Distance, rayon minimum. Après, la commande vous demande le Max Range. Alors, le Max Range, donc, on revient à une zone classique.
Donc vous retrouvez le centre en jaune, et le max range, cette fois-ci, ça va être le rayon maximum. Donc ici, par exemple, c'est un rayon de 3, parce qu'à partir du centre, il faut 3 blocs pour atteindre l'extrémité de la zone. Donc rayon minimum, rayon maximum. Ici, par exemple, pour une zone carrée. On peut évidemment combiner les deux hein, pour avoir cette forme en anneau. Donc maintenant, on a toutes les informations nécessaires pour définir une zone. Il nous reste deux choses à préciser. Donc le Respect Team, qui va en fait nous servir à rien. Donc moi, je suppose que c'est en gros, si par exemple on a deux équipes, une bleue et une rouge, peut-être que tous les joueurs d'une équipe, par exemple l'équipe bleue, soient tous les portés au même endroit. Ça va nous servir à rien, donc nous on va mettre false. Et ensuite on a la dernière chose, player, etc. Et la dernière information que la commande demande, c'est évidemment pour connaître quel joueur ou quelle entité il faut téléporter dans cette zone. Donc ça peut être tous les joueurs @A, toutes les entités @E, ou un certain type d'entité @E avec type égal, je ne sais pas moi, cochon, mouton, vache, n'importe. Et voilà, en gros, donc c'est toutes les entités qui vont être téléportées dans cette zone. Donc maintenant qu'on a vu la commande, hein, qui n'est pas évidente, hein, moi c'était une des dernières que je savais en gros qu'elle existait, donc c'est pas une commande qui est souvent utilisée, mais voilà, dans notre cas, elle va nous être très pratique. Donc maintenant, on passe tout de suite à la partie pratique. Alors, c'est parti pour la partie pratique. Donc, on reprend la commande Spread Player. Donc déjà, il faut déterminer le centre. Donc nous, on veut que ce soit des moutons qui soient téléportés donc dans une zone dont le centre sera ici. Donc, slash spread player. Donc le X, donc je rappelle que quand je vise un bloc, il sélectionne automatiquement la coordonnée si la commande demande une coordonnée. Donc, par exemple, là, la coordonnée X du bloc, c'est moins 1043. La coordonnée Z, donc je vise toujours le bloc, c'est moins 434. Ensuite, je veux une spread distance. Alors moi, je ne veux pas d'une forme en anneau, hein, je veux juste... juste un carré, donc le rayon minimum ça va tout simplement être 0. Par contre le rayon maximal, donc là vous voyez que le centre est, attendez que je vérifie que le centre, voilà, le centre est ici, donc le rayon maximal c'est 1, 2, 3, 3 blocs après donc on a le rayon maximum, donc 3. Ensuite, respect team, donc j'avais dit qu'on mettait false puisqu'on en a pas nécessairement besoin. Alors pourquoi il ne me le propose pas quand je fais tab? Donc split player x z split distance max range, donc false, normalement ça devrait marcher. Et enfin les joueurs, donc moi donc vous l'avez vu par exemple dans mon trailer, et bien ce sont des moutons qui sont téléporté, donc on va faire @e qui désigne toutes les entités, mais on va préciser que ce sont uniquement les moutons. Donc pour ça vous marquez entre crochets juste à côté sans espace, type égal, donc mouton en anglais, ship. Et voilà, vous avez la commande. Donc une commande que j'ai marquée précisément ici. Voilà, comme ceci. Et donc le problème c'est qu'il n'y a pas de moutons. Alors pour ça il nous faut des moutons. Donc les moutons, ils sont. Donc il y a une commande pour les mettre. Enfin, ils sont dans. La commande est dans ce camp en bloc. Donc je vais l'expliquer, mais juste rapidement. Je la mettrai bien sûr en description, puisque c'est pas forcément cette commande qui nous intéresse. Donc on a summon ship, donc invoquer un mouton. Ça, c'est les coordonnées, on l'invoque. Donc un bloc au-dessus du command bloc. Custom name, Jeb, c'est pour qu'il soit de toutes les couleurs. Attribute, je ne sais pas parler anglais. Alors, deux points entre crochets. Alors, bon, ça c'est juste pour dire qu'il n'a aucun mouvement. Et invulnérable, c'est pour dire qu'il ne bouge pas. Donc, pourquoi il faut dire qu'il n'a aucun mouvement? C'est parce que sinon, il va se déplacer pendant qu'il va danser. Ça va donner un truc assez chelou. Donc là, en gros, si on appuie... Donc, je rappelle que je mets la commande dans la description. Si on appuie, vous voyez que le mouton ne bougera pas. Il ne se déplacera jamais. Donc c'est avec ce name de point générique point movement speed virgule base 2.0. Donc c'est comme ça qu'il ne bougera pas. Mais nous on va utiliser notre commande. Donc vous voyez qu'à chaque fois il va être téléporté. Mais bon le problème c'est que là il danse pas vraiment. Hein, si on est obligé d'appuyer à chaque fois sur le bouton c'est un peu... voilà. Donc vous voyez quand on appuie sur le bouton à chaque fois c'est pas très sympathique, hein, ça fait pas trop l'impression qu'il danse.
Donc soit vous êtes en 1.9 et vous allez pouvoir mettre le command block en mode violet, donc avec, dans le menu du command block, pour que l'action soit effectuée tout le temps. Ou alors, si vous êtes en 1.8, vous allez utiliser la field lock. Donc, que je rappelle, en fait, ça c'est un bloc de redstone qui est placé 20 fois par seconde, je crois, que Zayugi utilisait beaucoup. Et donc, que vous utilisez en mettant un fil, donc avec... Donc, je réexplique rapidement. Vous avez ici un bloc que vous voulez qui s'actualise continuellement. Vous mettez un fil, donc ça je l'explique rapidement parce que j'ai déjà expliqué. Donc, vous mettez un fil avec les coordonnées du bloc à nouveau, redstone block. Tac. De toute façon, en 1.9, vous n'en aurez plus besoin. Donc voilà, à côté, vous mettez un autre redstone block, et enfin, vous mettez un autre chose que de la redstone, par exemple de la stone, pas de l'air parce que ça bug. Après, vous en activez un, donc avec un bouton. Et là, vous avez un bloc qui est actualisé 20 fois par seconde. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait ici. Donc, ça, on va le péter. Donc, je l'ai fait ici, vous le reliez. Et ainsi, attention, mesdames et messieurs, vous avez un mouton qui danse. Évidemment, vous pouvez en invoquer plusieurs, c'est ce que j'ai fait. Vous invoquez un autre mouton. Et voilà, vous avez deux moutons qui dansent. Donc, si vous voulez de nuit, vous mettez time 7, 18 000. Alors, 18... 1000. Alors j'ai mis 81 000, ça ne va pas marcher. Et donc voilà, il ne reste plus qu'à contempler ces magnifiques moutons qui dansent sur le dance floor. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, enfin du moins bientôt si j'ai le temps de faire d'autres vidéos, normalement ça sera le cas. Et je vous dis à la prochaine, salut tout le monde.